Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de trèfle, donc bienvenue à la suite de notre campagne de Gotham City Chronicles. Donc on fait la campagne qui, qui s'appelle Gotham enflammé, qui fait partie de la saison 3 du dernier Kickstarter. Mais avant de commencer, euh, j'ai des grosses corrections à vous mentionner, des petites choses que je m'étais trompé, puis euh, des choses que j'ai appris, qu'on va apprendre ensemble. Euh, première des choses, il y a une différence, tu sais quand je lançais l'idée pour me défendre, mais il y a deux, deux types de défense. Donc, pour vous expliquer le tout, c'est si on regarde ici, là, OK, moi je disais que euh, la défense était seulement contre les melee attaques euh, Mais ça, en fait, non. <laughs> ça, c'est ça, ça, son, son gelé par balle, ça, ça fonctionne, cette défense-là. C'est celui-là ici, ça, c'est deux icônes différents. Vous voyez le petit, euh, le petit point dedans? Celui-ci, c'est une défense automatique contre les melee attaques avec le point à l'intérieur. Ça, c'est ma défense normale pour tout type d'attaque. Okay? Donc, il y a Plusieurs fois où j'aurais pu me défendre, que je ne l'ai pas fait. Donc, mais c'est pas grave. On va, je vais laisser tel quel quand même, parce que euh, j'ai eu des petites erreurs aussi qui étaient en ma faveur. <coughs> Comme par exemple celle-ci. Si on regarde le pingouin, lui aussi, il a une défense automatique, mais euh, je pensais que c'était sur du melee attaque Mais non, si vous regardez dans le milieu, c'est pas le petit point qu'il y a, c'est le petit. Euh... Euh, la petite cible qu'il y a là pour les range attacks, Donc, autrement dit, c'est ce, ce symbole-là ici. Donc, oui, il a une défense automatique contre les range attacks. Puis, si vous vous souvenez bien, j'y ai lancé des batarangs pour le faire exploser la première fois. Donc, il aurait dû, euh, <coughs> il aurait dû lui laisser... Lui, euh, il y a un point de défense automatique que je ne lui ai pas donné. Parce que je pensais que c'était pour du melee attack. Donc, euh, quand vous jouez à ce jeu-là... Porter une attention particulière sur le petit symbole minuscule qui est à l'intérieur de la gilet pare balle Puis évidemment, là, distinguer là, les, euh, les, les gilets pare-balles puis les, euh, les défenses. Donc la même chose pour la Bad Girl lorsqu'elle se faisait attaquer. Euh, ça ici, c'est de la défense. Donc c'est un dé de défense de plus. C est, c est non, <laughs> ce n'est pas du melee attaque seulement. Je n'ai pas de petits points à l'intérieur. Puis il n'y a pas de, de petite. Euh, de, de, de petites courbes alentour. Donc, il euh, faut faire la différence entre ça. Donc, c'est très subtil, mais ça peut être très important. Hein. <coughs> Autre chose, les pingouins ici, lorsqu'ils font leur attaque, moi, j'ai appliqué les deux. Dans la première fois que j'ai attaqué avec les quatre pingouins, pour la toute première fois, j'ai fait les deux, mais en fait, c'est un ou l'autre. Parce qu'oubliez pas qu'ils bougent, euh, eux, ils bougent juste de un. Donc, s'ils sont à une distance adjacente, ils vont utiliser... Euh, Ceci, mais s'ils sont à deux de distance, ils vont lancer la grenade. Ils peux... n'ont pas les deux attaques un après l'autre. Okay? Donc, ça, ça aussi, il faut que je fasse attention. Je leur ai donné plusieurs attaques au pingouin. Comme je vous dis là, pour l'attaque contre le vilain, le pingouin, euh, oui, je me suis trompé, mais je me suis trompé aussi beaucoup de mon côté. Autre chose, euh, Red Hood, ça je l'ai remarqué lorsque j'ai fait le montage, euh, j'ai utilisé son, son med kit pour prendre deux blessures. Mais quand j'ai redonné ces, euh, ces six cumes, j'aurais dû prendre les deux et les amener ici. Donc, euh, tout est correct. La seule chose, c'est que je vais lui redonner son medkit parce qu'il n'aurait pas, dû, euh, il aurait pas pu, euh, eu besoin de s'en servir. D'accord Et la dernière chose, c'est une autre subtilité que je n'ai pas vue euh, pour la Bad Girl. C'est que Bad Girl, elle, de son côté, elle récupère. 3 cubes de, par défaut, habituellement c'est presque tous 2, elle c'est 3. Et comme je joue avec la variante un peu plus facile, c'est sous-split plus 1. Donc elle est supposé de récupérer 4 cubes et 6 au repos. Donc ça j'ai oublié de le faire parce que je n'ai pas vu le 3, je pensais que c'était 2 comme tous les autres, presque tous les autres personnages en fait. Donc à partir de maintenant, bien, je vais récupérer 4 cubes automatiques à tous les tours avec elle, puis 6 lorsqu'il est au repos. Ok donc euh, voilà. Et ça, ça fait pas mal le tour de toutes mes petites corrections. Euh, ça en fait beaucoup, mais comme je vous dis là, euh, c'est des trucs que là maintenant que je le sais, je vais porter attention. Puis euh, ça va. J'espère que ça va vous aider pour vos parties à vous de votre côté là, à prendre note de toutes ces choses là. Dernière chose aussi, je le vous mentionner. <coughs> euh, lorsqu'on prend du dommage par explosion, lorsqu'on saute en bas, lorsque ça mentionne qu'on prend des blessures, on lance pas les dés de défense. Les dés de défense c'est vraiment contre les attaques. Euh, mais une explosion, c'est pas une attaque. Donc, euh, c'est des blessures automatiques. Ça, j'ai validé dans le livre des règles, puis ça ne mentionne pas. Dans le fond, on va, on va bloquer avec nos défenses euh, uniquement lorsqu'on a des succès, lorsqu'on fait une attaque. Okay? Donc, euh, si je peux vous mentionner, euh... <coughs> il énumère ça dans la section. Où on l'avait lu ensemble, pourtant, c'est bien ça. Là. Donc, vous voyez ici dans la section blessures, lorsqu'un héros est blessé, on prend une énergie, un cube d'énergie. Euh, pour chaque euh, blessure souffert lorsque tous les héros. Attendez un petit peu ici où c'est mentionné. Ah, ici là. OK. Donc, euh, peut souffrir des blessures d'une attaque. Donc, ça, c'est si on n'a pas tout bloqué d'une attaque. Un, un, endroit, un, un endroit avec une zone dangereuse, une zone avec un terrain dangereux. Donc, ça, c'est des blessures automatiques. Et tout autre effet, comme les explosions euh, lorsqu'on tombe en bas. Si, mettons, il y a des, des, euh, des habilités spécifiques ou des règlements spéciaux des missions. Donc, quand ça vous mentionne souffrez ou prenez une blessure, bien, à ce moment-là, il faut les prendre. Il n'y a pas de défense par rapport à ça. Donc, quand que Red Hood a fait son attaque ici, qui a enlevé quatre personnages, c'était correct, c'était bel et bien ça, parce que ça disait euh, de prendre des blessures et non pas euh, lancer pour la défense. Ce n'était pas une attaque normale. OK? Donc, voilà. Donc, ça, ça fait le tour de toutes les petites corrections, les petites choses que je voulais vous mentionner. Parfait. Maintenant, on est de retour. C'est euh, la round numéro 6. Donc, on y va. OK. Donc, pour Batman, de son côté, je voulais faire du repos avec lui, mais il est pris avec un garde. Donc, on va le laisser actif. Il va récupérer trois cubes. OK. Euh, Red Hood, lui, de son côté, je vais euh, tomber du côté euh, au repos. On va prendre 6 cubes. 3, 4, 5, 6. Donc, lui, il n'y aura pas d'activation ce tour-ci. Puis, la Bad Girl, elle va récupérer 4 cubes, mais 1, 2, 3. Donc, elle a récupéré tous ses cubes. Elle va évidemment être active ce round-ci. All right. Donc là, mon objectif, c'est d'aller chercher le plus possible ces trucs-là. Donc, elle, il faut absolument qu'elle prenne ça avec elle. Essayer de vider ça un peu parce qu'elle se fait là, attaquer là, tout bas tout côté par les pingouins. Maintenant qu'on sait que les explosions, on ne peut pas défendre, euh, c'est rough. Puis Batman, s'il peut se, se libérer de lui et prendre ça, ce euh, serait un bon objectif. On aurait à ce moment-là 4 sur 5 de fait. Il resterait là, le pingouin après. All right. <coughs> Parfait. Donc, on commence. OK. Euh... Allons-y, on va commencer avec la Bad Girl. Donc, je veux absolument qu'elle prenne l'objectif qu'elle a. Okay? Donc, elle a besoin de 4 succès parce que ça a été activé. Donc, elle a un dé euh, des dés jaunes, mais elle a un succès automatique. Okay? Donc, ça m'en prend 3 succès sur des dés. Je vais lui donner, j'ai un maximum de 4 dés que je peux prendre. On va lui en donner 4. Je veux absolument avoir, je sais, c'est peut-être un overkill pour ça, mais il ne faut absolument pas que je le manque, puis je ne veux pas rester là trop longtemps non plus. Donc, on va prendre 4 dés jaunes. Et un succès automatique. Donc, j'ai besoin de trois succès sur les quatre des que qu'il y a là, right? Pour pouvoir prendre l'objectif. Come on! <laughs> Parfait. Vous voyez, c'était pas... <laughs> c'était pas un overkill. Donc là, j'ai eu quatre succès. J'en ai un automatique, plus les trois succès que y a là. Donc, j'ai pas besoin de relancer rien. Et euh, c'est fait. J'ai pu récupérer le deuxième objectif. Bon, on en a trois de fait sur les cinq. Là, je vais la mettre de côté un petit instant. On va passer à Batman qui va s'occuper du garde qui est devant lui. Donc là, lui, il va faire un melee attaque. Il va prendre un de ses cubes. Il va lancer un cube orange. Il a un succès automatique s'il obtient un succès là-dessus. Puis il va avoir un des jaunes aussi pour son, son bâton. Parfait. Donc allons-y avec ça. Come on. Donc, euh, oui, OK. Il y a eu trois succès un automatique parce qu'il euh, connaît les arts martiaux, plus deux. OK. Lui, euh, il a un point de défense qui annule euh, ça ici, puis un point de vie qui prend ça ici. Euh, vu que si il... ça, ça lui prendrait deux succès pour euh, bloquer les dommages, à ce moment-là, il ne lancera pas de défense. Il okay? faut vraiment qu'il y ait euh, possibilité de se défendre avec un succès pour que ça fonctionne. Donc, c'est fait pour le garde. On l'a enlevé de là. Parfait. Puis là, je suis en train de me demander, encore une fois, si je ne devrais pas dépenser un cum pour prendre un, 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 un clou, un, un indice. Mais je pense que je vais plutôt me concentrer sur l'objectif cette fois-ci. Okay? Pour l'objectif, je vais mettre les 3 dés complets là-dedans. Puis euh, on va lancer 3 dés orange. J'ai besoin de 4 succès sur ces dés oranges-là. Puis malheureusement, je n'aurai pas de relance parce que je n'ai plus de cum. Donc je me fie vraiment à ça. J'ai besoin de quatre succès pour ça. All right. Come on! On en a... Oh! Bien juste. Bien juste. Donc, on en a quatre. Excellent. Donc, on a réussi à prendre l'objectif. C'est le quatrième. Il nous en manque juste un à prendre. All right. Peut-être que la bad girl pourrait aller de ce côté-ci, prendre celle-là, ou bien... Euh, non, je, moi, je pense que je vais m'occuper du pingouin. Il faut qu'on s'occupe de lui. Là. Euh, OK. De son côté, il lui reste cinq. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance des batarangs pour essayer de me débarrasser des pingouins? sont tous là là je sais que peut-être que Red Hood prochain tour lui il va probablement sortir il s'occuper des pingouins lui aussi mais euh... si je pourrais si je pourrais me débarrasser de lui puis monter là-dessus je pourrais aller chercher cet objectif là ça ferait notre cinquième tandis que lui en sortant il pourrait s'occuper du pingouin hmm. Mais je pense que je vais faire un peu de ménage, peut-être je vais. Euh... Ouais, les pingouins là, ils me font beaucoup de dommages avec leurs explosions. Puis en plus, si je suis capable de réussir de, 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 de sortir les quatre pingouins à la fin d'un de mes rounds à moi, ça va me donner deux techs. Donc là on il nous en reste deux, on passerait à quatre techs, ça nous aiderait pour le prochain scénario. Donc, ok, je vais terminer ce round-ci en essayant de prendre des pingouins. Au prochain round, là, je vais m'occuper de lui. Ok Tout dépendant comment ça va aller. Peut-être que Batman pourra, le prochain round, j'aimerais ça qu'il se repose pour que le dernier round de tous, il puisse aller chercher l'objectif là-bas. Ok fait que Pour la Batgirl, on va lancer un batarang sur le pingouin qu'il y a ici. Ok Donc là, je vais aller euh, chercher euh, ma tablette pour voir si elle a un bonus d'élévation là-dessus pour ce, cette attaque-là. Parfait. Je reviens tout de suite. Alright, donc on peut voir ici, Bad Girl est à cet endroit-là, puis le pingouin est ici. Vous voyez le petit cube qu'il là, ça, ça veut dire que j'ai mon bonus d'élévation pour faire l'attaque. Parfait. Donc c'est une bonne nouvelle. OK. Les pingouins, surtout que les pingouins, ils ont deux, euh, deux points d'armure. Donc ça me prend là. Euh, ça me prend quatre succès pour les empêcher de lancer un dé de défense. OK? Donc euh, on y va. Donc, Bad Girl, elle va prendre un de ses cubes. OK? Et elle va prendre un Batarang, donc elle va avoir euh, un de ses cubes, c'est un dé orange, le Batarang, puis on a le bonus d'élévation. Okay. Le Batarang, lui, euh, de son côté, j'ai une relance sur un des deux des jambes. Parfait, ça me prend euh, quatre succès pour, euh, pour l'empêcher de se défendre, dans le fond. All right, on y va. Et on a un succès. OK, ben j'ai une relance sur un des deux des jambes pour les batarangs. Bon, on a trois succès. Donc, je pourrais rester comme ça, puis il va lancer un dé de défense. Euh, ou bien je paye une relance pour tenter de m'assurer qu'il en relance pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Je pense que je vais le faire dépenser un cube pour une relance. Ouais, je vais rester comme ça. Donc, là, à ce moment-ci, euh, les deux armures absorbent celui-ci, puis ça, ça va terminer là, le, le, la miniature pour le point de vie. Mais étant donné que s'il y a un succès, il peut rester en vie. Il va payer pour une défense. Donc, on va le faire payer pour sa défense. Ici, ça fait qu'il reste deux cubes. Ok. Donc, si on est chanceux, il n'y aura pas de succès. Plus, il va dépenser un cube. Puis, si on est mal chanceux, ben au que je recommence mon attaque. Alright. Donc, on y va. Il lance son dé pour sa défense et il a réussi à se défendre. Ok. Parfait. Euh, on va recommencer ça. Donc. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre un autre cube. Quoique, je pourrais vraiment juste descendre en bas puis faire une attaque mêlée. Je pense que je peux faire ça. Faire du mouvement. Laissez-moi voir. <coughs> Laissez-moi voir si je fais du mouvement à place. Je vais aller réfléchir à ça. Au lieu de dépenser mes batailles puis lancer des trucs puis manquer, je pourrais peut-être me déplacer. Puis peut-être assez d'attaquer le pingouin ici à la place. Là. Donc, euh, je vais aller voir ça. Je vais aller réfléchir à ma stratégie pour elle, pour les cubes qui lui restent. Non, en fait, j'ai décidé, je pense que je vais rester là, puis je vais continuer mes attaques. Il faut vraiment que je liquide un peu plus ces choses-là. Ici, si je prends m'en aller. Ici, j'ai n'ai pas assez de mouvement. J'ai assez de mouvement pour me rendre là, mais presque pas pour de l'attaque. Donc, ce serait un petit peu suicidaire de me rendre ici. Euh, même chose pour ici, j'aurai un cube d'attaque puis plus rien après, donc euh, je pense que je vais rester là. J'ai mon bonus d'élévation contre tous ces, ces, euh, ces, euh, ces ennemis-là, donc euh, on va recommencer ça. On va faire une attaque à distance avec un Batarang, avec un des oranges puis deux des jaunes. Éventuellement, je vais l'avoir mon 4 succès, là. donc on y va toujours avec ce pingouin-là ici. right, let's go! Et j'ai trois succès. Euh, j'ai une relance sur mon déjaune à cause du batarang. Donc euh, si jamais je peux réussir ça, bien. Et voilà. Donc là, le pingouin, celui-là, il est out. Donc là, on a un de fait sur les quatre pour avoir notre bonus. Parfait. Ensuite de ça, je vais viser l'autre pingouin qui est là. Donc, je vais voir si euh, j'ai champ de vision. Je pense que oui, mais je veux juste m'en assurer. Donc, si on regarde sur la tablette, je suis ici, puis à cet endroit-là, j'ai... Euh, ouais, c'est ça, il est dans le coin ici. J'ai mon bonus d'élévation aussi. Je l'aurai ici en face si jamais je veux continuer par la suite. OK? Fait que même chose. Euh, un, un autre cube, le troisième sur quatre pour du lance... pour des, euh, des attaques à distance. Un des oranges, deux des jaunes. Sur le pingouin qu'il y a ici, là. Come on! Et ça me fait trois succès. Je vais relancer mon jaune pour le Batarang. et ok j'ai trois succès je vais rester comme ça je vais y forcer sa relance donc ça va le priver d'un autre cube pour la prochaine fois donc il va en avoir moins dépensé ça peut peut-être me sauver donc il va payer pour sa relance pour le excusez pas sa relance qu'est-ce que je fais là en fait c'est de la défense qui paye ça va là ici c'est de la défense donc il paye pour lancer un dé orange et ça nous prend un Blank. Oups. Et c'est un Blank. Excellent. Donc, il a pensé son cube pour rien. Donc, on enlève celui-là. Puis, je pense que pour mon dernière attaque, je vais lancer un Batarang aussi pour ce pingouin-là. OK? Sauf que lui, il y a quelqu'un d'autre dans son, dans son endroit. Ça, ça veut dire que un, ça me prend un succès de plus. Ça va me prendre 5 succès au lieu de 4. Euh, ou 4 succès pour qu'il lance le dé. OK? Mais, coudon. On s'essaye, donc un des oranges, deux des jambes. Donc normalement j'ai besoin de quatre succès pour pas qu'il relance, trois succès pour qu'il relance la défense, mais ça m'en prend un plus pour, pour lui ici. Okay. Et ouais, c'est ça, on y va. Donc on a trois succès, puis je dois relancer ce des jaune là pour le batarang. Oh yes! On a eu 2, 3, 4, 5 succès. Donc c'est amplement suffisant pour prendre le pingouin puis l'enlever de là aussi. Good job, Bad Girl. Donc là, il n'y a pas personne qui peut l'attaquer à distance, sauf ces deux-là ici, là, là. Lui, euh, alors, il peut peut-être grimper, mais j'ai de la défense pour ça. Donc, good job. Je vais stopper là pour Bad Girl. Donc, c'est excellent. Donc là, on va remettre le tout. Dans la fatigue, pas pour lui, puis pour Bad Girl, on va la remettre dans la fatigue aussi. Ça, Ces endroits-là, on en a 8 ici. Voilà, donc maintenant, on passerait au vilain. Parfait, donc on passe aux vilains. leur round 6 à eux, puis euh, ils vont récupérer ça. Oh, ça, ça va dans leur, euh, leur fatigue, puis ils en récupèrent 5. Une, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça, ça leur fait maintenant 6 cubes de disponibles. Donc, on y va pour leur carte à eux. De leur côté, ils ont. Ils vont y aller avec celle-ci. Donc, ils vont commencer par payer trois cubes. Puis ils vont faire cette action-là. Good. C'est bon ça. Ils prennent la moitié de leur cube pour activer la tuile. OK. Donc, si on regarde ça ici, on prend trois cubes. 1, 2, trois, pour activer la troisième tuile. C'est les, euh, les Tugs avec pistolet. OK. Donc on ramène ça, on va garder lui, puis on va les activer. Dans son cas, il, a, il, en a, il en reste juste un de ça. Il reste plus beaucoup de monde sur la carte. On a un pingouin, un hazmat, et en fait, il en reste un de chaque. Puis c'est juste lui qui va activer. Good. Excellent. Euh, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc il veut faire celui-là ici qui est de... Les tâches progressées. Ok, donc il va tenter de piéger l'usine. Ok. Piéger l'usine, on se rappelle que c'était une manipulation complexe ou bien euh... Ouais, manipulation complexe. Il peut faire ça, lui, il peut faire une manipulation complexe, OK? Qu'est-ce que ça disait? Euh... Dans la zone d'un détonateur, on peut piéger l'usine. Un détonateur, ok. Les détonateurs, ça, c'est les... les noirs ici. OK. Fait qu'il va tenter de se rendre dans les noirs. Euh, il y a de la place ici, il y en a un là, puis il y en a un ici. Mais lui il est trop loin. Ok. Fait que lui il bouge de deux puis il peut payer jusqu'à un cube de, de supplémentaire. Ok. Fait que ça lui coûterait combien pour se rendre à un détonateur le plus proche Ok. Donc là lui il est euh, ici. Donc ça lui coûterait un cube, trois cubes avec trois cubes il arrive ici. Euh, en fait pas trois cubes trois points. Donc ça coûterait un point là puis ça il prendrait un point puis un cube pour descendre là fait que c'est trop loin il ne peut pas faire ça il n'est pas assez euh, il est pas capable de se rendre parfait euh, ensuite ensuite c'est euh, retourner piéger l'usine ok ça c'était pour piéger l'usine sinon qu'est-ce qu'il va faire euh, progresser ok fait qu'il commence par piéger l'usine crypter les échantillons euh, les échantillons sont tous cryptés. La seule qui n'est pas cryptée, c'est celle-là ici. Puis évidemment, il est trop loin pour se rendre. Okay. Euh, ou bien euh, ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes. Okay. La vanne est ici. Bien, on sait qu'il ne peut pas se rendre. Donc, ça coûterait un euh, Deuxième point plus un cube pour se rendre là. Puis on sait qu'il ne paye pas plus qu'un cube. Donc, c'est trop loin pour lui. Il ne peut pas faire ça. Donc, là, il va passer à l'étape suivante. Donc, vu qu'il ne peut pas rien, rien faire de ça ici, il va aller faire celui-là. Puis celui-là, c'est, on se remémore, c'est bien euh, protéger un échantillon et appliquer la règle spéciale crypter les échantillons. OK, fait que protéger les échantillons, il est déjà là, il le fait déjà. Et euh, pour cette action-là, il peut faire une attaque par la suite. Parfait. Donc une attaque sur le héros le plus proche, ce serait sur Bad Girl. Mais je pense que lui aussi, il va avoir un bonus d'élévation. On va aller voir ça. Alright, donc là, lui, il est sur le deuxième passerelle ici, puis oui, il y a un bonus d'élévation. Là, ça, ça semble peut-être orange là, sur le, 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 sur, à la caméra, mais c'est vraiment un des de ces bonus-là. Donc oui, il va faire une attaque à distance avec un bonus d'élévation. OK. Donc lui, euh, les attaques à distance, c'est deux dés blancs, puis il peut faire une relance. OK. Donc, euh, deux dés blancs. Puis son bonus d'élévation qui est ça ici. All right. Let's go. Et là, 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 là. là. OK. Donc, euh, évidemment qu'il relancera pas ça. Euh, il fait 4 points de dommage sur Bad Girl. Waouh. OK. Donc, là, elle, de son côté, elle a de la défense. Elle a un des jambes de défense. Ih, ça risque de faire mal, ça un Des jambes de défense, puis elle va payer son dernier cube pour s'en donner un de plus. Donc elle a deux des jambes, puis un de ces deux des jambes, elle peut relancer. Ok, donc euh, elle a deux des jambes de défense. Ok, elle va relancer celui-là. Oh, ok, donc elle a euh, bloqué trois sur les quatre, donc elle prend seulement qu'un point de dommage. C'est pas si pire. Ça aurait pu être pire que ça. All right. C'est bon, c'est tout pour lui. Donc, il a fait son travail. Il reste encore trois cubes à notre adversaire. Puis sur la carte, ensuite, il va faire la deuxième, le deuxième ici qui va tenter de faire ça. Okay. Donc la deuxième tuile, ça va écouter évidemment deux cubes. Donc on prend deux cubes ici. Et c'est le pingouin qui va s'activer. Uh -oh. Donc, on va garder ça. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'il va faire. Le pingouin. Donc, même chose, lui, il va tenter de... Euh, C'était même chose ici. Euh, en dessous ici. Il va faire des tâches progressées. Donc là, il va tenter de piéger l'usine. Piéger l'usine, oui, ça, il peut faire ça. Il y a plusieurs choix. Il y a ici, il y a là, il y a là, puis il y a là-bas. Okay? Donc, le plus proche pour lui, ça serait lequel donc le pingouin est actuellement ici. Euh, le jeton est sur le dessus ici. Fait que ça coûterait 1, 2, 3, 4 points de mouvement. Lui, il a 2 points de mouvement. Puis il n'y a pas de parkour de son côté. Okay? Donc euh, il n'est pas capable de se rendre jusque-là. Euh, ça lui prendrait 2 points de mouvement au complet. Puis avec un cube, c'est un point. Puis il n'est pas capable de grimper là. Fait On oublie celui-là. Celui-là, ici, d'après moi, ça va être la même chose. Euh, S'il est ici, ça va écouter 1, plus 3, ça écoute quatre points de mouvement pour se rendre là-dessus. Il ne peut pas. Par contre, celui-là, il va probablement pouvoir. Là, fait que là il est ici, 1, 2, puis un troisième point de mouvement. Là, on est chanceux parce qu'il a priorité ça avant les vannes. Fait que là, il est en plein bonne place. Donc, il va faire 1, 2, puis il va payer un cube pour se rendre là. Et ça, c'est son dernier cube. OK. Donc, un cube pour du mouvement supplémentaire. Voilà, il n'en reste plus. Et là, bien, il va tenter de euh, piéger l'usine. Puis piéger l'usine. Ah, attendez un petit peu, il peut tu faire ça, lui? Non, il ne peut pas faire des manipulations. Ah uh oh! Là, ça veut dire qu'il va tenter d'ouvrir les vannes, mais je pense qu'à ce stade-ci, ça ne change pas grand-chose parce qu'en même qu'il va inonder le plancher, on est capable de sauter, puis tout le reste est en haut. Fait que c'est pas si pire que ça. Fait que si on retourne ici, euh... piéger l'usine ou crypter les échantillons sont aussi, sont toutes cryptées de toute façon, puis ouvrir les vannes. Bon, fait que là, il est à la bonne place pour ouvrir les vannes. Qu'est-ce que ça fait qu'ouvrir les vannes Une figurine du vilain dans la zone marquée vanne peut déverser le contenu toxique de la cuve avec une manipulation automatique. Manipulation automatique. Euh, ben, étant donné qu'il n'y a pas de dés, il peut quand même le faire quand même parce que c'est automatique. Okay, si je ne me trompe pas, je pense que c'est bel et bien ça. Là. Euh, complexe, il faut qu'il y ait des succès, mais automatique, il le fait tout, tout, automatiquement. Là. Je pense que n'importe qui peut ouvrir les vannes. Donc, euh, c'est fait pour lui. Il va ouvrir les vannes. Là. OK, euh, On va voir qu'est-ce que ça donne. Là. Le vilain place un pion produit chimique dans cette zone. Qui ajoute un niveau de terrain dangereux. Lors de l'étape résolution des effets du début du tour du vilain, le vilain pose un autre pion produit chimique dans la zone adjacente avec un autre pion. Produit chimique avec le même niveau d'élévation. L'effet de ces pions ne se dissipe pas. OK. Fait dans le fond, euh, il vient de mettre un produit toxique ici. Mais là, je suis en train de penser à ça, là. Euh, lui, euh, passer par là, c'est toxique pour lui aussi, là. Hmm. C'est un terrain difficile. Ça il aurait dû, écouter. Ben, c'est ça. Je pense qu'il ne peut pas, là. Je pense qu'il ne peut pas parce que 1, 2, 3, parce que c'est un terrain difficile. Fait qu'il n'aurait même pas pu se rendre. Sinon, 1, 2, 3, il ne peut pas non plus. Ouais, laissez-moi aller voir, voir si ça, ça s'applique pour les vilains aussi. D'après moi, oui, là, mais euh, ça peut changer la donne parce que si ça s'applique pour les vilains aussi. Il ne peut pas rejoindre les vannes, il va se rendre juste là automatiquement, puis il va arrêter là. Fait il ferait juste un attaque, donc je, je vais aller voir, ça sera bien. OK, donc plusieurs choses ici. Euh, première des choses, il ne peut pas se rendre parce que ça, c'est très dangereux, puis je pense que ça, ça me démontre une de mes fautes que j'ai faites au début de la partie. Euh, bouger là-dessus. Euh, ben en fait, je pense pas que c'est une faute parce que je pense que la bad girl, parce que la bad girl a passé ici, quand c'est un terrain dangereux comme ça, ça empêche pas le mouvement, ça fait juste faire que c'est dangereux, donc on va lancer un des jaunes de blessure si on passe par là. Okay? Euh, là, je pense que j'avais passé par ici, la seule qui a passé par là, c'est la bad girl. Puis je pense qu'elle elle est immunisée à ça par ses habiletés. Okay? Si je me trompe pas ici, là. C'est indiqué ici, lorsqu'on bouge, on va ignorer un niveau de terrain difficile. Okay? Donc ça, c'est un... Ok, parfait. Donc on était correct pour passer là à cause de ses bottes spéciales. Le pingouin, de son côté, lui, euh, il aurait pu passer, mais il aurait lancé un des Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il ne le fera pas parce que je t'allais revalider. Puis s'il n'y a pas de dé à côté, c'est qu'il ne peut pas faire l'action. fait qu'il ne peut pas faire d'action de manipulation, ni automatique, ni avec succès, parce qu'il n'y a pas de dé à côté. Nous autres, on peut parce que tous les personnages ont des dés. Mais lui, il ne peut pas. Fait il n'est pas capable d'ouvrir les vannes. Donc, le pingouin, lui, ça ne baissera pas à <laughs> ouvrir une vanne comme ça. Donc, il n'aurait pas été par là. Donc, je vais remettre ça là-bas, puis je vais remettre le cube qui a dépensé pour du mouvement. Je vais le remettre disponible pour le pingouin. Okay. Donc, autrement dit, il ne peut pas faire grand-chose la date. Là. On va aller voir quest ce qu'il pouvait faire. Euh... Ça, c'était euh... crypter les échantillons. Donc, tout ça ici, il ne peut rien faire de ça. S'ils ne peuvent appliquer aucune de ces règles, il ignore la tâche progressée. Le pingouin suit les règles de tâche de réflexion du pingouin. Okay? Donc là, vu que c'est lui, tâche de réflexion du pingouin, le pingouin tente d'appliquer la règle spéciale détruire les preuves, si possible. Sinon, il tente d'appliquer la règle spéciale crypter les échantillons, si possible. Si le pingouin ne peut appliquer aucune de ces règles, il ignore la tâche. Donc là, pour le détruire, les preuves, est faut il faut qu'il y ait l'ordinateur là-bas. Mais on sait, il peut bouger de deux, en fait, il peut bouger de trois, s'il peint au cube. Donc ça ferait un. 2, 3, il n'est pas capable de se rendre, fait qu'il le fera pas. Euh, ensuite de ça, euh, il est pour faire là, crypter les échantillons, Bien, la seule qui reste à crypter, c'est lui ici, il ne peut pas se rendre. Fait que la dernière chose qui lui reste à faire, c'est l'autre d'après qui est une attaque. Okay. Donc une attaque. Pour le pingouin, lui, de son côté, ses attaques. Euh, attaque à distance. OK. Donc avec un des jaune puis un dé orange. Ok. Évidemment, la cible la plus proche et atteignable, c'est la Batgirl. Il ne peut pas atteindre là, euh, Red Hood ni Batman. Donc, euh, OK. Donc là, si lui, il est. Lui, il est ici en bas, là. Okay? Puis là, il va tenter de tirer là. Il est capable. Euh, L'élévation fait qu'il peut l'avoir. Par contre, évidemment, il n'y aura pas de bonus. <laughs> Une chance. Puis, n'oubliez euh, pas, Batgirl, elle n'a plus de relance. Okay? Donc là, il va lancer. Un des jaunes puis un des oranges pour son attaque sur la Bad Girl à distance avec son espèce de, 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 de parapluie avec un, un fusil au bout. Là. Et là, là. Donc là, il a obtenu quatre succès. Ouf Bad Girl, elle a au moins de la défense. Euh, elle a un des jaunes de défense et c'est tout. yee OK. Donc, un des jaunes de défense. Elle défend absolument rien. Fait qu'elle va prendre quatre blessures. Aïe, aïe, aïe. Donc, 1, deux, 3, 4, ouch! OK, ben c'est tout pour le pingouin. Il nous a fait très mal cette fois-ci. Donc, euh, ça met un terme maintenant euh, euh, au vilain. Donc, on passe maintenant au héros. Le héros round 7. C'est l'avant-dernier round pour nous, ok? Donc, euh, allons-y. Bien, avec ce qui s'est passé, euh, je voulais faire, euh, je voulais que Batman se repose, mais je pense qu'il ne pourra pas se reposer. Euh, il va falloir qu'il y aille. Donc, je vais prendre son... Euh, on va récupérer trois cubes, puis on va le mettre actif. Right? Pour euh, Red Hood, lui, il va récupérer trois cubes, une, deux, trois, puis lui, il va se mettre évidemment actif. Donc lui, sa tâche là, à ce moment-ci, ça va être le 1, d'aller prendre le de, de sortir le pingouin de l'équation. Fait que si je peux garder, si je peux détruire lui, ça va me donner quand même deux techs. Donc, on va au moins garder ça. Puis ensuite, sa tâche principale, c'est s'occuper du pingouin. Okay? Donc là, on a Batman qu'il faut absolument qu'il prenne la cible, puis le pingouin. Euh, le Red Hood, faut il faut qu'il aille chercher le pingouin pendant que la Batgirl, j'ai pas le choix. Je vais passer en mode repos avec elle. Donc, elle, elle va récupérer 6. Donc, 1, deux, trois... Puis 4, 5, 6 de ce côté-là, comme ça. Oups, ça, ça allait ici en passant. Right. C'est bon. OK. Donc, on commence avec euh, le Red Hood qui va tenter de s'occuper des pingouins à côté. Euh, Est-ce que je prends du mouvement? Oui, je pense qu'au lieu de faire une attaque à distance, il va faire une attaque là, à mêlée parce que j'ai deux, deux succès automatiques, puis eux, ils ont quand même là, deux armures. Donc, ces mouvements gratuits, il y a deux points de mouvement gratuits, puis il va prendre un des deux pour aller ici. Okay? Ensuite de ça, il va faire une attaque mêlée. Donc, avec ça, il va avoir les deux jambes pour ses deux épées. Puis, en plus de ça, il va avoir un dé orange pour ça ici, puisqu'il peut le relancer en plus, celui-là. Right? Donc, on fait son attaque. Commande. Et hey, oh là là, donc pas de problème. On a amplement de succès pour se débarrasser du pingouin qui est là. Good. Donc ça, c'est le quatrième qu'on vient de sortir. En plus de ça, une fois par round, il peut utiliser ça ici. Donc ça, c'est une action gratuite spéciale du livre qui est de, euh, de fouiller le pingouin puis donner un indice. Donc avant que je l'oublie, on va aller se donner un indice tout de suite. Enfin, donc on se donne l'indice. On monte maintenant à trois points d'indice. Excellent. On continue. Right. par la suite, il faut qu'il aille se placer contre le pingouin. Euh, donc là, pour le pingouin, euh, je pense que ce serait mieux qu'il fasse du melee attaque, mais est-ce qu'il peut se rendre? Ça va y prendre un. Attendez un petit peu, on va aller regarder la charte. Lui, on, va... on peut en profiter parce qu'il y a du parkour de 3. Fait qu'il peut quand même descendre en bas rapidement. Donc là, lui il est ici dans la pièce, right? Euh, ouais, c'est ça. Il est dans la pièce ici. Fait qu'il pourrait faire un. 2, 3, en fait, 3 ici, 3, 4. Ça coûterait 4 cubes pour se rendre dans l'air du pingouin. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ça coûterait 4 cubes. Euh, ouais, 4 cubes, puis après ça, il met le paquet sur le pingouin. Tout, tout, son, son, tout son arsenal au complet. Puis il y a du combo si jamais il, il, il s'est réussi. On y va, on y va. Donc, il va dépenser 4 cubes de mouvement. OK. Donc, on parle de 1, 2, 3. N'oubliez pas, ça, fait, ça, ça prend 3 points de mouvement pour descendre là, mais il y a un parkour de 3, ça fait qu'il est correct. Et 4. Donc là, il se rend dans la même zone que le pingouin. All right. Puis là, bien, il va donner le paquet. J'ai un maximum de 4 cubes pour du melee attaque Il va en donner 3. Donc là, on a 3 des oranges plus ses deux épées plus j'ai euh, les arts martiaux là-dedans. Si jamais je fais un hit puis je me débarrasse du pingouin, je vais pouvoir faire un combo avec ça. Okay? Le pingouin, de son côté, il a euh, deux points d'armure puis deux points de vie. Okay? Euh, puis évidemment, ça va me prendre un, un succès de plus à cause que lui, il est là, puis une menace d'index de 1, celui-là, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un membre de sa gang. Euh, ouais, c'est ça, un, point de, un index de menace de 1. Donc, command Red Hood, là, j'ai plus de relance. Mais n'oubliez pas, j'ai ça ici, là, je préfère un succès de plus avec ça. All right. Command, là, il faut lui donner un bon coup. Et, OK, on a euh, trois succès. J'ai un de mes dés. Non, j'ai pas de relance pour du melee attack là-dessus. Je peux pas payer. Fait que là, j'ai quatre succès. Hum. Puis avec 4 succès. J'ai trois succès en fait. Non non, attendez un petit peu, j'ai un plus 2 ici parce que j'ai mon art martiaux. Ouais, c'est ça. Faut pas que j'oublie ça. J'ai un 2 pour mon art martiaux ici. Fait que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 succès. OK. Donc, on va aller voir ça. Mais je pense qu'avec ça, il va être capable de se défendre. Attendez un petit peu. Si je mets le. Bon, on va calculer ça. On va calculer ça. N'oubliez pas s'il est capable de. Si ça lui prend juste un point de défense, un, un succès pour se défendre, il va lancer un dé. Il reste un cube, lui, là, là. Ok? Donc là, première, première chose, ça c'est pour compenser pour lui parce que lui il est là. Okay? Euh, ensuite de ça, le pingouin, il a deux points d'armure. Okay? Donc ça, ça compense pour son armure. Puis, euh, il lui reste deux points de vie. Donc là, les deux points de vie, il passe. Okay? Donc là, en ce moment, s'il y a un succès, il reste en vie. Mais si j'ajoute mon succès, là, ça veut dire que je fais trois points de dommages. S'il obtient un succès... Il meurt quand même parce que les deux points ont passé. Fait en payant ça, je m'assure qu'il ne fait absolument rien puis il, il s'en va. Bam! All right. Donc, j'ai réussi à me débarrasser du pingouin, mais ça m'aurait coûté mon succès. All right. Good job. Donc, une partie de fait. Donc, là, si je pourrais. Euh, là, c'était autour à Batman. Si Batman est capable d'aller chercher le dernier, on va avoir gagne ça de rêve là, là. Et en plus, on va être capable d'aller chercher deux points de tech parce que j'ai pris les quatre pingouins. All right. Donc, pour Batman maintenant, de son côté, lui, il a trois mouvements gratuits. Okay. En partant, il va les prendre. Un, deux. Il s'en va là. OK. Là, j'ai 3D. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais avec ça, la manipulation? J'ai besoin de 3 succès. En fait, j'ai besoin de 4 succès de manipulation parce que lui est là. Je peux le faire pareil, mais euh, son indice de menace fait que j'aurai euh, pas de, de, de. Ou bien je prends un cube pour me débarrasser de lui. Lui, c'est quoi ça? C'est un hazmat. J'ai besoin de trois succès. Donc, j'ai besoin de deux succès sur un. Non, non, non. Non. Je vais prendre mes trois cubes au complet, puis je vais tenter de m'occuper de, 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 de ça ici. La manipulation complexe de niveau 3. Mais j'ai besoin de quatre succès à cause que j'ai un hazmat avec moi dans la pièce. OK? Puis les hazmat, ils ont un niveau de. Euh, ici, ça, ça dit qu'un niveau de danger de 1. Ça veut dire que ça me prend un succès de plus pour le faire. All right. Donc j'ai 3D, j'ai besoin de 4 succès pour prendre le dernier échantillon. On y va. On a eu 3. Euh, je vais ajouter mon succès ici et ça va faire le quatrième succès. Et on vient de prendre l'échantillon. Voilà. Puis avec ça, bien là, on va stopper euh, le, le tour des héros. Puis là, les objectifs sont tous atteints, si je ne me trompe pas. Donc, on va juste revalider ça. Si on regarde ça ici. Si à la fin du tour 8 des héros, euh, il possède. Si à la fin du tour 8 des héros. OK, il faut que jusqu'au bout, je pense. Ouais, il faut que je fasse les 8. Si à la fin du tour 8 des héros, il possède 5 pions d'échantillons et que le pingouin est neutralisé, la partie se termine et les héros gagnent. Ils ont récupéré à temps les échantillons et stoppé pour de bon la production de cette substance dangereuse. Si à la fin du tour 8. Si à la fin du tour 8, l'héros possède 5 pions d'échantillon, mais le pingouin n'est pas neutralisé, okay? si le vilain réussit à Fait qu'il que faut, faut que je survive les 8, les 8 rounds, si je comprends bien. Là. Parce que c'est possible que le pingouin revienne, peut-être. Bref, euh, ça indique pas que si j'ai besoin de faire tout ça avant. Si à la fin du tour 8 des héros, il possède 5 pions, c'est ça. Donc, il faut absolument que je survive les 8 rounds. Donc, il m'en reste. Euh... En fait, il y aurait juste un autre tour des vilains parce que euh, moi, je commence. Ça, ça, la partie se termine à la fin du tour 8 des héros. Donc, euh, on va faire le tour des vilains. Puis après ça, si tout va bien, si, si, si tout, tout reste, bien, je vais avoir gagné dans le fond. Là. Moi, je pense que j'ai gagné tout de suite, mais on va y aller by the book. Là. Le scénario, il ne dit pas que, euh, que c'est ou avant. Donc, on va tout mettre ça dans les trucs. Qui sont euh, la fatigue. Parfait. All right. Donc là, maintenant, on passerait au vilain. Parfait. Donc le tour 7 des vilains, ça, techniquement, c'est leur dernier tour. OK. Donc là, on va lui donner ses 5 cubes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il est de retour à 6. Donc là, vous remarquez, le pingouin ici il est mis de côté. Puis si jamais il, il joue cette tuile là, ça va juste aller à la fin, on glisse puis on fait la nouvelle tuile qui prend sa place à la place. All right, donc le tour des, des vilains. Ok, le tour des vilains de leur côté. Ok, donc là ils vont jouer la tuile numéro un en premier puis c'est un attaque directement. Ok, la tuile numéro un. Bon, euh, il reste plus grand vilain sur le jeu, on va payer le cube pour la tuile puis c'est les hazmat. Les euh, hazmat Thugs. OK. Donc, avec ça, on va jouer le hazmat Thugs. Puis, c'est lui qui est dans la même zone que Batman. OK. Donc, faire son attaque, euh, il va. Ben, en fait, il n'y a pas de vraiment. Il fait son attaque à distance. Il va tirer dessus, dans le fond, avec deux des blancs. Je n'ai pas de bonus de quoi que ce soit. Il y a de, chacune relance, par contre. OK. Donc, il fait son attaque contre Batman deux des blancs du blank. il va prendre ses deux relances il y a eu deux succès puis là il peut payer pour une relance parce qu'il reste un des blancs et c'est ce qu'il va faire il va prendre un cube puis il va payer pour une relance donc cette fois-ci c'est vraiment des relances et non pas de la défense right il relance son dé et bon, il est chanceux. Ça a fait 4 succès. Bon, Batman, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Là, j'ai plus de cubes de disponibles. C'est euh, pas du melee attack, c'est du range attack. Je sais qu'il est à côté de moi, mais euh, c'est vraiment du range attack. L'armure automatique ne compte pas. J'ai seulement un dé orange pour bloquer, puis euh, je peux le relancer par contre. Parfait. Donc, on y va avec ça. Donc, deux succès, je ne le relancerai pas, j'en bloque deux, ça me fait deux points de dommage. Parfait. Donc, c'est fait. C'est fait pour le hazmat. Il a joué son tour. Il n'y en a pas d'autres sur le jeu. Et la prochaine tuile qui va jouer, c'est la tuile à la section qui est euh, numéro 2. Puis là, il va faire ça ici. Parfait. Donc, on va y prendre deux autres cubes. Les plaques, puis la tuile numéro 2, c'est ces autres ici, les Penguins Gang. Encore une fois, il en reste seulement qu'un, puis il est à la même case que Red Hood. All right, Penguins Gang. Donc, lui, euh, première des choses, il va tenter de faire le symbole que ici. Il va tenter de faire progresser la tâche. Bon, il va tenter de piéger l'usine. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Piéger l'usine? Non, je pense à prendre de la manipulation, puis il n'y en a pas, lui. Euh, piéger l'usine, piéger l'usine. Manipulation complexe. Nope, il n'y a pas de manipulation complexe, lui. Pas de, pas, de, pas de manipulation, juste de la réflexion. Parfait. Donc il ne fera pas ça. Il va crypter les échantillons. Ben, il n'y en a plus. Bien, en fait, il en reste un, puis il est déjà crypté. Fait il ne fera pas ça non plus. Euh, tenter d'ouvrir les vannes. Il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de manipulation. Donc, on passe au suivant. Le suivant, c'est ça ici. Donc, lui, il va tenter de crypter, protéger l'échantillon, appliquer les règles spéciales, crypter les échantillons si possible. Sinon, protéger le panneau de... Bon, le panneau de, de le truc là-bas qui est ici. Fait que dans le fond, lui, il cherche à aller protéger ça. Euh, avec deux points de mouvement, il ne peut pas se rendre. Ça écoute deux points de mouvement à juste sortir d'ici parce qu'il y a une figurine ici. Là. Fait qu'il ne pourra pas faire ça, il va tout simplement attaquer. Donc, la prochaine chose à faire... Il va faire son attaque. Euh, c'est une attaque mêlée, donc il va avoir un dé jaune puis un dé orange. Puis il, va il peut relancer le dé orange qu'il veut. Puis avec un succès, il va être capable de menoter euh, Red Hood. All right, on y va. Donc il y a eu trois succès. Donc est-ce que Red Hood est capable de bloquer ça? Je n'ai pas rien ici. Tout ce que j'ai, c'est une armure ici avec un dé jaune, mais c'est impossible pour moi de bloquer trois succès avec un seul dé jaune. Le mieux que je peux faire, c'est deux succès. Donc, ça, j'ai ça. Je vais relancer parce que j'ai droit à une relance. Puis, euh, non. Nope. Donc, euh, ça passe. Donc, ce qu'il fait maintenant, c'est que Red Hood, il est menotté. All right. Et euh, menotté, bien, euh, j'ai un succès de moins sur tout ce que j'entreprends. Je pense que j'ai aussi un, euh, un mouvement de moins, à moins que je fasse une manipulation complexe. Donc, si on regarde le Shackle, lorsqu'on fait un melee attaque. Si vous voulez faire au moins une blessure à la place, on peut mettre un X shackle token sur le défendeur à la place. À la place d'infliger une blessure. Euh, le shackle de miniature. Il réduit un nombre de succès qu'il obtient durant ses actions ou sa défense de 1. Le mouvement n'est pas affecté. Ah, oh, c'est bizarre, ça. Uh, shackle tokens can be removed by them. On peut les enlever avec, en faisant une euh, manipulation complexe avec une difficulté à garder ça. Ça va prendre une manipulation complexe de niveau 1 pour l'enlever. Mais euh, pour tous ses succès, à la place, il va il, comme euh, menoter si on veut. Là. Okay. OK, ben, OK, bon, parfait, il a fait ça. <laughs> C'est tout. C'est tout pour lui qui a déjà joué ses deux tuiles. Euh, puis ça revient au héros à nous. Donc là, ça serait notre tour 8. Donc, je n'irai pas mettre le jeton. On va juste se reposer, tout le monde. Puis, euh, parce que tous nos objectifs ont été atteints. Euh, ouais, c'est ça. Tout le monde va se reposer. Donc, on part de. Euh, ici, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a 3, 6. Puis, la bad girl aussi, elle a 4. 5-6. Voilà, puis c'est la fin du tour 8 des héros. Puis euh, les objectifs sont atteints. J'ai oublié aussi de faire à la fin de mon usine notre coup d'éclat. Euh, le coup d'éclat ici, c'était relâcher les pingouins. Si à la fin d'un tour, ça c'était le dernier tour, j'aurais dû faire ça. Tous les pingouins avec les roquettes sont neutralisés, les héros gagnent 2 points de technologie. Bien, on va aller se donner ça justement. Deux points de technologie, ça nous amène à quatre. Fait qu en ce moment, on a trois points d'indice puis deux points de technologie. OK. On va aller continuer de lire. Les objectifs. Euh, C'est à la fin du tour, il y a cinq pions d'échantillon et que le pingouin est neutralisé. Donc, j'ai cinq points. Batman en a deux, Batgirl en a deux, puis Red Hood en a un. Donc, on a les cinq. Le pingouin a été neutralisé par Red Hood. Euh, ben, C'est ça, on a gagné. Parfait. Donc, on va aller voir la conclusion ici. Le camp victorieux gagne un point de victoire et deux points sur le compteur de son choix. Hors point de victoire. OK. Fait qu'on va gagner un point de victoire pour nous. Donc, on va monter ça à un ici. Puis, on gagne deux points sur le compteur de notre choix. Euh, dans ce cas-ci, je vais aller avec les indices ou la tech. Hmm. Je pense que je vais aller avec la tech. J'en ai déjà quatre. Je vais prendre les indices parce que les indices, j'en ai trois. Donc, on va monter à 5 indices. Parfait. Ensuite, euh, le camp perdant gagne deux points sur le compteur de son choix, hors point de victoire, et prend l'initiative pour la prochaine mission. OK. Donc, les vilains vont commencer la prochaine mission, puis il va prendre deux points sur la traque de son choix. Bien, lui dans son cas, la traque n'y de... a, a pas grand trac. Il va prendre deux points là-dessus. Ici, on a juste une traque. Lui. Ok, parfait. Euh... Les héros parviennent à empêcher la destruction complète de l'usine. Plus important, ils disposent d'assez d'échantillons pour analyser la substance explosive produite par le pingouin. Le palmipède au monocle est rattrapé de justesse alors qu'il tentait de rejoindre les égouts pour s'enfuir. Il se débat en affirmant n'avoir rien fait de mal et n'être qu'un exécutant. Ses propos sont confus et il semble même avoir peur. Il bredouille tour à tour que les entrepôts non loin et les quais de Gotham City sont la destination de sa dernière tournée. Alors que les sirènes des gyrophares du GCPD s'approchent, les héros doivent décider de la piste à suivre. Donc, on va choisir entre la mission Surprise Party, page 20, et la mission Pris au piège, page 24. Voilà, donc ça, euh, ça va être au prochain épisode. Donc, je vais stopper l'épisode ici. Ce que je peux faire, par contre, c'est que je vais récupérer les cubes pour le, 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 le vilain, puis je vais récupérer les cubes aussi pour les héros qui en ont donné. Donc, ça, c'est les cubes qui vont sur leur plateau. Donc, il y en avait deux sur Batgirl, deux sur Red Hood, puis un sur Batman, ce qui fait qu'ils ont tous récupéré maintenant leurs deux cubes. Donc, euh, voilà. Puis ça, bien, on va ramener ça ici. De toute façon, la mission est terminée. On passerait à la suivante. Donc là, entre les épisodes, je vais aller choisir laquelle mission que je veux aller. Puis, euh, ben, en fait, euh, je vais faire ça tout de suite. Euh, juste pour montrer que je ne triche pas. On va déjà. Aucune idée c'est quoi, on va choisir tout de suite. Donc le Surprise Party ou la... Ben tiens, je vais vous demander votre avis à vous, lequel qu'on va. Est-ce qu'on va pour la mission Surprise Party ou bien euh, la mission prise au piège? Je vous laisse décider. Donc, euh, laissez-moi savoir là, vers où vous voulez aller. Donc, je ne vous, vous donne pas d'indices, Donc, c'est vraiment selon les termes que là, ce qu'on veut faire un surprise party on, ou on veut être pris au piège? Donc, un gros merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé le premier scénario de la campagne. Donc, euh, on se voit au prochain épisode. Puis, j'attends euh, vos réponses, savoir quel, euh, quel scénario vous voulez faire la suivante. Donc, un gros merci à tout le monde. À la prochaine. Juste avant de terminer, il ne faut pas que j'oublie que lui, il m'a il, il enlevé certaines preuves. Fait que là, j'ai un point d'indice de moins. Okay? Donc, au lieu d'avoir 4, je vais to... va avoir 5, je vais tomber à 4. Juste pour être sûr, là, c'était. Euh... C'était. Blessure profonde. Lorsqu'un héros est neutralisé, le vilain gagne. OK. Fait il n'a pas neutralisé aucun héros, heureusement. Euh, détruire les preuves, voilà, c'est ça ici. Donc, euh... à la fin de la mission, les héros perdent un point d'indice par ordinateur à côté du poste de commandement. Enfin, il y avait un ordinateur, j'ai oublié de m'enlever le point d'indice. Chose faite, donc, euh, un gros merci et on se voit au prochain épisode. On voit tout le monde.